Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Dr Nenei Louankoulou multiplie des visites d'inspection et de travail dans les entreprises et établissements sous sa tutelle. L'objectif, s'imprégner des conditions de travail pour parachever les états des lieux en vue de prendre des mesures urgentes. Déjà, l'infatigable Nenei Louankoulou a démarré ses visites par les secrétariats généraux de son ministère. Une visite qui lui a permis de faire un état des lieux sans complaisance. Les secrétaires généraux sont considérés aujourd'hui comme des policiers des employés. La particularité de cette visite, c'est que nous pensons qu'elle a eu un regard plus pointu en tant que femme pour apprécier à sa manière à elle les conditions de travail qui sont les nôtres. Et c'est un motif d'espoir pour nous. Et lorsqu'elle dit « Ah, tous ces gens, ils sont confinés à cet endroit », pour nous, c'est déjà une impression. Donc, elle a vu l'exiguïté des locaux. Donc, elle a vu le surpeuplement dans ces bâtiments de Kimpoko qui reçoit 3 administrations, sans compter les projets et programmes. À l'Office national de l'emploi, Dr Nenei Louankoulou veut redynamiser le secteur de l'emploi. En compagnie de la directrice générale de l'ONEM, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, a suivi avec une attention soutenue des explications claires sur le projet Emploi Jeunes Diplômés, un programme financé par la Banque africaine de développement qui consiste à renforcer les capacités des nouveaux diplômés pour leur intégration dans le milieu professionnel. Dr Nenei Louankoulou a émis les vœux de relancer également le PED qui rentre dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réduire tant soit peu le taux de chômage en République démocratique du Congo. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a été émerveillée par les innovations apportées par les comités Agnès Mouad Nawej. Lors de cette visite, le directeur général de la CNSS a rassuré son hôte de sa disponibilité de cheminer ensemble dans une convergence des vues, ceci pour promouvoir la sécurité sociale, laquelle traduit l'impérieuse nécessité d'asseoir durablement la réforme du régime général. Tout en félicitant les comités de gestion de la CNSS, Dr Nenei Louankoulou a encouragé Agnès Mouad Nawej à poursuivre les réformes engagées. La visite de chaque département lui a permis de bien comprendre le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les deux femmes modèles ont encouragé les personnels soignants à se rappeler de leur serment d'Hippocrate. Elle a quitté la CNSS avec sourire, fière d'avoir laisser des instructions claires pour la bonne marche de cet établissement public qui fait la fierté de la République démocratique du Congo à travers l'Afrique et dans le monde. À l'Institut national des préparations professionnelles, les œuvres de Maurice Tshikuya Kayembe n'ont pas laissé indifférente la ministre d'État. L'UNPP a la charge de préparer les jeunes Congolais au métier pour être utile à la société. Une visite trop technique qu'a effectuée la ministre d'État qui a suivi département par département de l'ADG Maurice Tshikuya Kayembe qui maîtrise parfaitement sa boîte, des explications claires sur l'évolution de la technologie. Au laboratoire froid commercial industriel, l'ADG de l'INPP a expliqué à la ministre des tutelles comment fonctionne la chambre froide. Même chose à l'atelier froid et climatisation. La visite s'est poursuivie dans les ateliers électriques des formateurs. Ici, Maurice Tshikuya a expliqué la dernière prouesse de l'automatisme industriel. Visiblement satisfaite des explications fournies par l'ADG, Maurice Tshikuya Kayembe, la ministre d'État, Dr Nenei Louankoulou, l'a invité à poursuivre cet élan afin que la République démocratique du Congo bénéficie du travail de l'Institut national des préparations professionnelles. Ces encouragements qui ont poussé Maurice Tshikuya Kayembe à faire un aperçu général de son entreprise avant de solliciter l'accompagnement du numéro 1 de l'emploi pour que les projets en cours aboutissent. Comme partout ailleurs, Dr Nenei Louankoulou a invité le personnel à une main d'association pour réussir ensemble. Déjà, lors de l'audience accordée aux investisseurs chinois venus au Congo pour la matérialisation d'un projet de construction du site ultra-moderne de l'UNPP Kolwezi, la patronne de l'emploi a insisté sur les caractères urgents de ces projets générateurs de l'emploi en République démocratique du Congo. Ce projet, dont les études de faisabilité ont été réalisées il y a 3 ans, sera financé par les gouvernements chinois. L'ADG Maurice Tshikuya Kayembe a clairement dit que ce site de Kolwezi comprendra 3 zones.
une fierté pour la patronne de l'emploi, car ce projet rentre dans le cadre de l'amélioration de l'offre de formation professionnelle de l'Institut national de préparation professionnelle. La ministre d'État a souhaité un aboutissement heureux à ce projet. La grève à la CVM a été désamorcée grâce à l'implication personnelle de Madame la ministre d'État. Un accord a été trouvé de justesse avec le concours de ses collègues membres du gouvernement. Invité à Kinshasa, le patron de Banro a rencontré le numéro 1 de l'emploi sur la situation de la suspension de ses activités dans la province du Maniema.